Oui, bonjour. J'avoue que c'est moi, alors je témoigne à visage couvert aujourd'hui, parce que je force les gens depuis plusieurs semaines à faire des cours de sport depuis chez eux. Je sais qu'ils n'ont pas forcément envie, mais c'est important pour eux. Alors bon, oui, je suis un peu coupable de ça, mais bon, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Alors bon, j'ai une excuse quand même, hein. Il faut pas trop m'en vouloir. Salut, c'est moi. Ah, vous m'avez pas reconnu, hein? C'est Nico. Eh ben, bienvenue pour une nouvelle semaine. Je me recoiffe. Ah oui, j'ai un petit assistant. Dis bonjour. Bonjour, voilà, Sacha, qui est là, un petit microbe qui a l'air un peu malade aujourd'hui. Enfin bon, ça a l'air d'aller quand même. On y va, place pour le renforcement musculaire. Il vous faut des poids, des haltères, et on va travailler différentes sortes d'exercices sur la mobilité et sur le renforcement musculaire. Ce sera vraiment pas cardio, juste renfo pour 30 minutes. Allez, on y va. Vous demandez comment j'ai fait, hein? Bon, tout Tout ça, ça, c'est c'est de de la la réalisation réalisation de de haute haute technologie, technologie, hein, hein, donc donc je je peux peux pas pas vous vous révéler révéler tous tous mes mes secrets. secrets. Allez, Allez, on on est est parti. parti. Alors, on imagine qu'on a fait le petit échauffement quand même depuis chez soi. Vous avez bougé un petit peu, vous êtes en condition pour démarrer tout de suite la séance, hein, sur le corps de séance. Tu peux enlever ça, s'il te plaît? En musique, bien sûr. Allez, go! Dans la joie et la bonne humeur. Avec des petites haltères. Voilà, ça fait 1 kg environ. Hein. Vous pouvez prendre un peu plus lourd, il n'y a pas de problème. Alors, Sacha, maintenant, il faut se pousser. Merci. Voilà, on a vu le microbe. Voilà. À part des gens malades. Alors, tu fais à côté si tu veux faire. Bien, on y va. Attendez. On va chambouler. Voilà, j'aime bien lancer les chronos. Alors, on va commencer avec des tirages et en même temps une élévation de la jambe. On en fait 10 sur la même jambe. Vous voyez, je lève les coudes à hauteur d'épaule et je lève mon genou. On peut reposer la pointe de pied par terre, mais on peut aussi ne pas poser le pied par terre pour jouer sur l'équilibre. Hein. Le profil là, mon dos est bien droit. Voilà, je n'ai pas compté les 10 répétitions. On change de côté, pose les haltères, ils sont trop lourds, fais-le sans les poids. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Le dos doit être bien droit. Voilà, travail de coordination, de mobilité. Allez, on en fait un dernier. Ok, je me mets de profil, on reste sur le dos avec le mouvement de l'oiseau. On a les deux pieds au sol cette fois. Alors avance-toi, sinon tu vas prendre un coup, Sacha. On pousse le bassin en arrière, vous vous souvenez de la posture, hein? La colonne vertébrale bien droite, on rentre son ventre, on gaine. Les bras ici juste sous la poitrine. Petite flexion des coudes et on écarte sur les côtés, on en fait 10. Mets-toi plus là-bas. 9, pose ça, c'est lourd, pose ça. 8, 7. On doit faire passer les bras, hein, au-dessus du dos pour vraiment aller engager au niveau des omoplates. Pose les poings. Pose les poings, tu vas te faire mal. Allez, 3 de plus. Voilà, focus sur le dos pour cette première partie. On se redresse. Un petit peu aussi les épaules avec les élévations frontales et en même temps l'extension de la jambe arrière. Alors, un peu sur le côté. On fléchit légèrement la jambe d'appui, la jambe gauche, on envoie la jambe droite derrière, on envoie les bras devant et je ramène. 10, 9, 8, vous pouvez ramener en posant le pied par terre. Hein. 7, 6, si vous avez un bon équilibre, montez le genou, restez sur une jambe. Gardez une petite flexion des coudes devant, hein. Pas d'extension complète des bras. Ah, c'est difficile, hein? On travaille sur l'équilibre, renforcement des muscles stabilisateurs, des muscles profonds. Hop là, et on reste bien en regardant devant. Une dernière. Et je ramène, je change de côté. Je me mets là, sur ce profil. On y va.
Prenez le temps d'exécuter le geste. Voilà, pas de précipitation pour bien les faire et pour ne pas se faire mal. Ah, feel good. Ouais, ça c'est de l'entraînement, mon chou, hein. Ok, je ramène. On repart pour une petite série sur l'oiseau pour finir ce travail. La posture, la flexion. On y va, 10, 9, 8, 7, 6, éteins ça, 5, 4, 3, 2, 1, dernier. Et je remonte. Ok, petit tour d'épaule. Voilà, il va révéler les secrets. Cache le micro, tu vas révéler les secrets. Allez, on passe au sol. Alors, je tourne un petit peu la caméra. On va travailler sur la poitrine. Les pectoraux. Allonge-toi là-bas sur le tapis. Pas devant la caméra, là-bas. Donc bien plier les jambes pour poser les pieds par terre. Alors Sacha, tu vas te prendre un coup, ça va pas aller. Sacha, mets-toi là-bas, parce que je vais ouvrir les bras sur les côtés. Les paumes de main tournées de face, les coudes vers l'extérieur. On y va. 10, développé. 9. 8. 7. 6. 5. On rentre sur ventre pour bien plaquer le dos au sol. Les coudes sur les côtés, sous la ligne d'épaule, hein, pas au-dessus de vos épaules. Le but, c'est vraiment de solliciter les pectoraux. Après les 10 grands, on fait des petits, là. On remonte à moitié. Oh, qu'il est fort. Les petits. Gardez vos épaules basses. Abdos gainés. Voilà, et concentrez-vous sur le mouvement des bras. Les petits mouvements de bras. Attention, on va changer de mouvement. Repoussez tout là-haut, tournez les paumes de main. L'une face à l'autre et on fait des écartés. Mouvement sur les côtés et on ramène. Hop, et on ramène. Attention à toi. Recule-toi un peu. Voilà. On a les bras qui s'arrêtent au ras du sol, toujours avec une petite flexion du coude. Vous savez pourquoi ? Pour ne pas verrouiller les articulations. Pas de loup pour l'instant, on travaille au sol. 5, 4, 3, 6, go. Allez, dernier grand. Et là, on termine aussi cet exercice par des petits. Milieu. Les bras au niveau de la ligne de la poitrine. Hein. Grand ouvert. Voilà, des petits pulls, des petits battements pour sentir la pression musculaire plus forte. Allez, 4, 3, 2, 1, et je reviens là. Paume de main l'une face à l'autre, on refait le développé couché. Mais je remonte en tournant les disques l'un contre l'autre. Les paumes de main l'une face à l'autre. Allez, je fais un quart de tour de vis pour aller travailler différemment musculairement. On commence à sentir l'effet des répétitions, la brûlure musculaire qui est là. Et qu'il y a un bon travail qui s'exécute. Expirez en remontant vos bras. Appuyez également avec le dos dans le sol, sur le tapis. On peut faire cet exercice avec un élastique, hein, si vous n'avez pas d'haltère. Vous coincez l'élastique sous le dos, un bout dans chaque main. Oh, merci de m'aider. Allez, dernier. Et on va joindre les deux mains. Un peu plus dur à faire avec un élastique celui-là, mais ça peut se faire si vous l'attachez au bout des pieds. Hein. On va envoyer les bras derrière, c'est le plus lourd.
avec un élastique, élastique au niveau des pieds, on tire derrière, ça provoque une résistance. Avec les poids, on travaille un peu différemment, musculairement parlant. Une bonne mobilité des épaules pour faire ce mouvement. On va chercher loin derrière, sans cambrer le dos. Attention au dos. Hein. Aspirez votre nombril. Aussi, il y a du poids. Ah, ils sont lourds ceux-là. Pose-les par terre. Pose-les, Sacha. Tu vas te faire mal. Pose-les. Allez, 4 grands corps. Attention derrière. Il y a le mur. Ok, on bloque, on reprend un poids dans chaque main. Dernier exercice pour aller solliciter sur les biceps. Les extensions. On garde les coudes bien au-dessus de ses épaules. On amène les poids au niveau du front, sur le côté. Et on allonge loin vers le plafond. Voilà, sur le biceps. Ouais. Inspirez, expirez. Allez, encore 4. 3 grands. 2. Et on fait des petits battements de bras pour finir. Ça échauffe un peu plus. Bien ça. Ok, on continue, les mains derrière la tête, quelques abdos, deux petits minutes d'abdos. Relevez le buste. Les abdos. Ils sont où les abdos, Sacha? Ils sont où les abdominaux? Tu me fais voir où sont les abdominaux? Les abdos, ils sont là. Ils sont là. Non. Inspirez bien le nombril, hein. Travaillez avec le ventre et pas en tirant sur la nuque. Dernier, je reste les mains au sol là pour faire quelques ongles de bassin. Vous posez la tête par terre. Voilà, ce qui compte c'est de soulever le bas du dos. On change un peu la cible. Et hop là. Demi-gainpette. Allez, dernier avant de s'asseoir. On s'assoit, on allonge les bras et on revient au sol, doucement. Sans donner d'élan avec les jambes, ni froid avec les bras. Niveau 1, en posant les pieds. Niveau 2, sans poser les pieds par terre. Travail plus profond. Allez. Allez, un tout dernier. Yes. Ouh. Bien, on continue. Un petit exercice qui va vous faire travailler encore les abdos en gainage, surtout latéral, au niveau de la taille. Et un petit travail de fessier. On se met en appui sur le coude et sur le genou. Alors, on n'est pas devant la caméra. Sacha, bouge pas. Sacha, s'il te plaît. Merci. Allez, on décolle du sol et on lève la jambe supérieure. Vous voyez, ça doit faire une ligne, hein, la jambe et le buste. Avec son bras également. Et on est parti là, on fait 15 flexions et tensions. 14. 13. 12. 11. 10. Gardez bien la jambe qui se tend haute. Hein. 9. 8. On sent sur les fessiers là.
7, 6, 5, 4, voilà, 3, extension complète, tu me gardes une belle posture, fessier fort, abdos fort, encore un, merci Sacha, stop, 3, 2, 1, et on relâche, super, on tourne et on change de côté. Maintenant, on va faire allez, appuyez bien avec le genou et le coude, mettez bien le coude sous l'épaule pour avoir un bon appui et pas avoir mal à l'épaule. Position parfaite, c'est parti. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ça tire, c'est bon ça. 6, 5, 4, allez, les trois derniers, ça passe. On garde la jambe haute. 2, 1, on reste. Et on compte 3, 2, 1, on repose. Ok, parfait. Reprenez les petits poids et passez debout. Voilà, qu'on me voit. On commence pied serré, on fait fente latérale et en même temps développer épaule pendant une minute. Ok, on est parti. Hop, et je reviens. Alors essayez de ne pas redescendre les bras trop bas. Vous voyez, gardez les coudes à hauteur d'épaule pour bien garder la charge quand même sur le haut du corps, sur les épaules. Hein. Et on pousse bien vers l'extérieur sur la jambe qui va se plier. Allez, 10 encore. 9, 8, 7, 6, attendons Sacha, 5, 4, 3, 2, et le dernier. Ok, parfait, on peut marcher. Donc c'est surtout dans les bras qu'on le sent plus que les jambes. Hein. Une petite pause pour boire un coup, on a fait la moitié, on va refaire un deuxième tour, tout pareil. Voilà, on va pas te faire mal. Un petit alors. Alors, le cours. On change de prof. C'est toi qui fais le cours. Allez, on est reparti après cette petite pause. On reprend les haltères, vous souvenez du premier exercice, tirage et élévation, jambes, 10 sur chaque. Allez, on est parti. 10, 9, 8, option 1, sans toucher le pied par terre, 7, 6, 5, grand monsieur, 4, 3, voilà, prenez le temps de bien faire, bien ressentir le geste. Hein. On change de jambe, la gauche tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier, parfait. L'oiseau, sur la toile. On bascule en avant et on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Ok, parfait. Souvenez-vous, maintenant élévation devant avec l'extension de la jambe derrière. Attention à ne pas tomber descendre. Allez, prenez de l'espace, un bon équilibre. On est parti. 10, 9, 8, 7. Faites bien monter la jambe derrière. Faites bien travailler avec le fessier. Hein. Non, pas devant la caméra, pas devant la caméra. Les gens ont besoin de voir. Dernier.
Et on change de côté. Pas devant la caméra, Sacha. Allez, où est le verre? Derrière moi. Allez, go. Attention. 10. 9. Ouais, très bien. 8. 7. 6. Et 5. Allez, équilibre. Fixez un point. Fixez-le du regard. Ce sera plus simple hein, pour ne pas vous déséquilibrer. Ok, super. Deuxième fois pour l'oiseau. Aspirez le nombril, hein, dégainé, on y va. Attention parce que j'ouvre le bras sur le côté. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Gardez bien le dos fixe, hein, le muscle fixe. 4. 3. Contrôlez l'aller et le retour des bras. 2. Et dernier, parfait, on passe au sol. Les exercices pour la poitrine. Voilà, pardon Sacha. Pardon, pardon, allez. Parce que la caméra après elle s'arrête au bout d'un moment. Je tourne parce que j'écarte le bras. Allez, on y va, développer le coucher. Là aussi avec un élastique que vous passez sous le dos, ça le fait aussi, hein. Est-ce qu'au bout d'un moment, après, ça coupe? Ça coupe? Bah, pas là, toi. Essayez de ne pas vous arrêter, enchaînez ces mouvements. Et les petits. Allez, petit battement de bras. Mais le mouvement vraiment, c'est à partir de l'épaule qui part. Hein. Et on resserre pour contracter sur les pectoraux. Attention, tu vas tomber. Attention, le dos se descend. Hein. Tu vas tomber. Allez, les petits battements de bras, on y va, go! Alors, on est parti! J'ai une 2 secondes là, 10-15 secondes comme ça. Comptez pas trop, regardez bien ouvert pour avoir un maximum de pression, de la force, de la résistance. 4, 3, 2, 1 et on remonte. On prend les disques ensemble. Et on y va pour le pullover. Voilà, cherchez à tirer les bras derrière, vraiment une grande extension des bras. Ok,
on prend les poings dans chaque main, on termine avec les triceps, on y va. Flexion à partir des coudes. Allez, 4 pour finir ça. 3, 2, 1. Et on peut poser les poids. On passe aux abdos. Allez, maintenant à la tête. Relevez le buste oblique. Pardon, Sacha, on ne voit plus rien. Pardon, Sacha, pousse-toi. Sacha, pousse-toi. Allez, on est parti, les obliques. On enroule bien son épaule. Allez, que à droite, 4, 3, monte le son. Monte le son, Sacha. Allez, on chante de côté, 4 autres. 4, 3, 2, on en fait 4 à droite. 3, 2, 4 gauche. Ah, mais faut que ça brûle. Tenez quelques secondes encore pour ces abdos. On s'accroche et on alterne mais rapide droite gauche. Le bras tendu, la jambe tendue et on y va. 15, 14. On va sortir. Vous voyez, on est en forme. Sentez bien ici, hein, ferme au niveau du buste. Hein. On reste tendu, bras, jambes et on décompte. 3, 2, 1 et on relâche. Merci. Allez, l'autre côté. Dis-toi, là. On the side. On y va. Go. Voilà, joli grand mouvement. On termine, 2, 1, on bloque et je décompte, 3, 2, 1 et on relâche, parfait. Prenez les poids, passez debout, dernier exercice. Allez, une petite minute encore, attendez, je remonte ça. Bon, on y va. Pieds serrés, fente latérale, développez épaules. Voilà, on bouge tout le corps. C'est toujours toi qui es devant. Ah oui, c'est moi qui est devant. À partir des trois. Pousse à toi. Allez, les 10 derniers. 6, 7 et 9. Thank you.
Encore un tchac. Gardez le dos droit, la belle posture. Ok, vous pouvez relâcher, enrouler un petit peu les épaules. Et bien voilà pour ces 30 minutes, le petit renfort du jour, deux bons blocs de travail. À vous de vous amuser avec ça et puis on se retrouve pour le cardio. Au revoir Sacha. Non, au revoir Sacha. Tu dis au revoir. Ouais, il veut continuer. Allez, à bientôt.